Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un autre tutoriel, mais cette fois-ci, c'est pour pouvoir modder votre G-Score Xbox Live, donc sur la Xbox 360. Donc on va tout commencer tout de suite. Donc en premier lieu, comme d'habitude, il faut commencer par extraire le profil, donc avec le logiciel Explorer 360. Donc vous faites Drive, Open, Hard Drive ou Memory Card. Puis dans le chargement, ensuite vous allez dans la partition 3, dans le dossier qui s'appelle Content, et vous trouvez votre profil. Voilà. Donc les profils, là où ils sont stockés, commencent toujours par FFFE0 et un petit code après. Donc ici, voilà. J'extrais mon profil sur le bureau. Parfait. Donc je laisse Explorer ouvert. Et ensuite, j'ouvre Xbox 360 Profil Editor. Donc je clique sur Open. Hop. J'ouvre mon profil. Voilà. Donc, alors là, j'ai déjà, je vous dis tout de suite, j'ai déjà modé mes G-Score. Je suis à 100%. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est vous cliquez sur. Vous voyez, il y a tous les jeux. Vous cliquez sur le jeu et vous mettez Unlock All Offline. Ensuite, vous mettez Oui. Puis, vous faites ça pour tous les jeux. Ensuite, vous faites File, Save. Voilà, ça a sauvegardé. Et ensuite, quelquefois, vu que les données qu'ont Microsoft donc sur votre Xbox Live, elles ne correspondent pas forcément avec les mods que vous avez fait. Donc il vous faut un petit logiciel, je vais l'ouvrir, qui s'appelle Xbox 360 HBlock Calculator, en fait, qui va refaire les calculs et qui va les faire correspondre. Donc Xbox 360 HBlock Calculator. Souvenez-vous de ce nom, il pourra vous servir. File open, j'ouvre mon profil. Donc je pense pas qu'il y ait des erreurs, mais vous voyez, tout est sur true. Ensuite, si vous avez des erreurs, vous cliquez sur Tools, Calculate HBlock. Voilà. Vous fermez. Ensuite, donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous avez juste à rouvrir Explorer 360, à prendre le profil que vous venez de modder. Vous mettez Insert File et vous l'injectez à la place de votre ancien profil. Et normalement, tout baigne. Vous pouvez aller sur la Xbox et vous verrez votre G-Score modé. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel qui va vous permettre de modder votre G-Score sur Xbox Live. Donc abonnez-vous à notre chaîne, commentez nos vidéos et merci de voter s'il vous plaît. A plus! Salut!